question de foi, en question de choix. Récemment, nous avons dit que la foi a deux composantes là-dedans. Première composante, là, c'est que la foi il y a des croyances véridiques, des croyances certaines que le chita sur eux-mêmes. Mais la foi va seulement en question de croyance, la foi c'est en question de action tout. Or, il se trouve que nous toutes, nous avons des périodes de probation dans la vie. Nous. Et c'est là que foi nous mettait à l'épreuve. Mais la Bible parle dans 1 Pierre 6, verset 6 à 18, côté la Pierre dit que c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie glorieuse. Parti qui est intéressant dans le texte, c'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Et donc, il y a des périodes de probation côté n'a traversé, côté foi nous mettait à l'épreuve. Mais lorsque foi nous à l'épreuve, il n'est pas à l'épreuve pour notre destruction, mais pour que bien sûr, ça puisse résulter dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Réalité, c'est que tout le monde que bon Dieu relève, il est toujours testé. Tout le monde que bon Dieu relève, il est toujours permettre que vous capable choisir en retour. Il y a un monde qui pose des questions qui dit pour qui ça bon Dieu lorsque il crée Adam et Ève dans le jardin, il était mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Il était tout à fait normal parce que tout être que bon Dieu crée, il toujours testé. Pied bois dans le jardin, c'est pour Adam et Ève être capable choisir bon Dieu volontairement. Mais pour choisir, il faut une option. Pas gain option sans pas gain choix sans option. De que tu gain option automatiquement gain pied bois dans jardin. Yo te gain option pour désobéir bon Dieu, option pour choisir bon Dieu. Si pas de gain pied bois dans jardin, pas ta gain option. Mais automatiquement pied bois là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc le ça, yo t'a pas besoin faire un choix. Et donc au final, c'est toujours une question de choix et une question de foi. Dans toute épreuve qui devant ou toujours gain option ou gain option pour que épreuve qui devant là les résultats dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra ou bien les résultats dans la honte pour même. Mais au final la en question de choix, la en question de foi. Et lorsque on lit Hébreux 11 précise où une quantité de monde qui était mis à l'épreuve. Et qui sa épreuve foi yo te produit. La Bible présente nous toute une quantité de monde qui était à l'épreuve. Et donc, il présente nous Abel, qui a eu l'opportunité pour te offrir une offrande. Mais lorsque il a eu l'opportunité, ça, la Bible dit que lui offrit une offrande par la foi. En fonction de ça, qu'il recevait comme information, parce que la foi est toujours basée sur connaissance. Connaissance que il a eu, que pas eu pardon péché sans effusion de sang. Donc, lui offrit à bon Dieu ça que l'on connaît par rapport à Caïn, qui lui-même tout simplement maintenant tête dit, puisque c'est le plus grand bon Dieu que bon Dieu besoin recevoir. That's it. Et c'est par la foi que Enoch décide d'attacher la bon Dieu dans mi temps génération perverse et corrompue. Épître aux Hébreux dans chapitre 11, là, continue pour dire que c'est par la foi que Noé était croit. Que on déluge était possible pendant que même phénomène la pluie qui sont phénomène naturel pour que jamais existé parce que pour que jamais arrivé dans phase de vaporisation sur la terre et donc mais elle était capable quoi il était gain option hein, pour le pas quoi mais elle était choisi quoi parce que son question de foi son question de choix Abraham lui-même il était quoi mon Dieu lorsque mon Dieu était pas la veille parce qu'il était gain option pour le pas de quitter ses parents qu'il pas de quitter côté le connaît dit pas de quitter dit gain option pour pas de quitter parce que bon Dieu relé pour quitter le certain pour l'incertain dit gain option pour le rester mais le choisit pour aller
Et lorsque bon Dieu testait le puis devant, Abraham croyait que même si bon Dieu t'a tué Isaac, même si Isaac t'a tourné cendre, mais de ses cendres, Isaac peut renaître, pendant que statistique yo dit que 100% monde qui mourirait mourir, mais cependant Abraham t'a croyé le possible pour que Isaac retourne à la vie. Et non seulement ça, c'est par la foi que Isaac lui-même dit bénit Jacob avec Esaü, quoique Jacob était symbolisé l'homme spirituel et Esaü l'homme charnel, mais c'est par la foi que lui baille et Isaac une bénédiction beaucoup plus spéciale. Elle a une option. Et c'est par la foi que Jacob bénit les fils de Joseph de manière prophétique, pensant que quoique Libaï est prééminence là, Ephraïm sous Manassé, quoique Manassé c'est le plus jeune, et tout ça fait par la foi. Et la Bible dit non, tout pour continuer, c'est par la foi que Moïse, li, lorsque l'a gardé, l'a entrevu sorti des enfants d'Israël en Égypte, et Libaï l'ordre sous Pop Zopal. Et tout bagay ça est fait par la foi. Tout le monde ça est, c'était des monde qui te fait des choix, mais ou te fait des choix éclairés. Des choix qui te mandé ou pour te faire des bagailles qui sorti de l'ordinaire. Parce que toutes les fois où il y a la foi toujours mandé ou fait des bagailles qui hors de l'ordinaire. Et Épître aux Hébreux a présenté nous dans la galerie des héros de la foi. Il y a un monde extraordinaire en la personne de Moïse et qui lui-même tout t'a pas fait un choix extraordinaire. Parce que au final, son question de choix. Son question de foi. Et c'est ça que nous voyons dans Hébreux le chapitre 11, les versets 23 à 29, côté là, dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Et donc la Bible présente nous un ensemble d'actes de foi que Moïse fait. Parce que la foi a toujours demandé pour faire des choix. La foi a toujours demandé pour faire des actions. Mais avant nous garder le choix que Moïse a fait, on garde le contexte qui entourait la naissance de Moïse et comment tout le monde qui était dans le contexte a fait des choix. Moïse fait dans un contexte côté tout le monde prend la foi au sérieux. Et je voulais commencer avec les femmes sages qui ont même, depuis dans Exode 1er verset 15 à 22, ces femmes sages, ils ont même été fait des choix. Il dit que le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que le roi leur avait ordonné. Elles ne firent point ce que le roi leur avait ordonné. Et donc, mesdames, ils font preuve de foi. Parce que la foi toujours demande action. La foi toujours demande risque. Et c'est par la foi, Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Par la foi. Et donc, comment vous avez testé foi par où? Foi par où là, qui risque le porter ou apprendre? Est-ce que foi par où là, le porter ou a fait des bagailles qui sortent de l'ordinaire pour capable gagner des résultats extraordinaires? Parce que la foi toujours demande type de bagaille ça. Les femmes sages, par la foi, obéirent à Dieu plutôt qu'au roi d'Égypte, et ce, au péril de leur vie. Parce que la foi toujours implique des risques. La foi toujours implique de sortir en dehors des sentiers battus et de faire des sacrifices. Et foi pas où? Qui ça l'exige où?